Ah, bonjour à vous tous. Donc, bienvenue dans mon atelier et puis bienvenue dans notre campagne Kickstarter qu'on a lancée il y a une petite semaine maintenant et qui commence à marcher plutôt pas mal. Donc voilà, on a eu pas mal de petits mails en fait pour nous demander d'ajouter à la campagne des petits originaux. Alors ces petits originaux qui ne vont pas être très grands, ça va être à peu près de cette taille-là. On ne peut plus travailler que celui-là, parce que celui-là pour l'instant c'est juste un rough. Mais voilà, il y a des gens qui auraient bien aimé en fait pouvoir ajouter à leur livre, à ce qu'ils ont pris. Et puis pour nous aider à imprimer le livre en fait, et bien avoir des petits originaux. Donc voilà, on a fait les cartons avec Margot et puis on a essayé de vous trouver quelques petites choses. On en a trouvé quand même pas mal au final. Alors il y a un peu de tout, il y a des petits prix, ça va commencer dans les 100 euros, puis ça va aller jusqu'à 300 euros. On n'a pas été trop haut parce qu'on veut rester dans le bon format pour que ça puisse rentrer dans le livre. Voilà, ben en tout cas, on vous remercie et puis on va aller voir ça tranquillement en bas. Il y a un peu plus de place. Vous voyez que là, c'est vraiment un petit atelier. Donc, c'est là où ça va. Hop, je vous accompagne. Rebonjour, nous voilà dans le salon. Donc, on a transformé un peu notre table de salon en présentoir, on va dire, et puis on va vous montrer un peu les originaux. Ça vous permettra de voir la taille, en fait, des petits originaux qu'on a choisis. Donc, ce sont tous des roughs. Il y a un peu de mon travail sur la féerie, mais il y a aussi pas mal de mon travail pour le character design, ce qui peut en intéresser certains. Donc, différents projets, Gnome Alone, Troll, je ne sais plus lesquels après. Il va y avoir Sony, le premier, le 101. Enfin, il y a quelques petites choses un peu rigolotes. Donc voilà, je vais vous les montrer, puis ça vous pourrez faire votre choix. Bon, c'est en général un format A4. Là, tu peux montrer la page du livre. Alors ça, c'était un rough justement pour cette page-là. Donc ça, c'est le l'édition 2016. Ça va être la page que je ne vais trouver qu'en dernier. Toujours comme ça. Knockers. Peut-être au début, oui. Ou pas. Il y a pas mal de pages. Ah, voilà. Voilà. En fait, ça m'avait servi en fait pour la mise en place dans le livre. Voir un peu à quoi ressemblait le wagonnet et puis comment j'allais mettre mon charbon et le reste. Donc, vous voyez que ça, il y a quand même une belle différence entre le petit croquis. Et puis l'illustration finale. Il y a pas mal de petits animaux aussi. J'aime bien les petits animaux de temps en temps. Dans les dessins, c'est même s'ils sont même parfois tout seuls.
Donc ça, c'est beaucoup plus cartoon. C'est normal, puisque c'était pour Troll, The Tale of Hotel. C'est du concept, design. C'est vraiment du caractère design. Donc, c'était la recherche des chiens. Je vais voir. Les petits toutous. Oui, je m'étais vraiment bien amusé. Ça, c'était pour Netflix. Alors, ça, c'était pour Netflix, Gnome Alone. C'était vraiment des early stage. C'était au tout début du projet, quand on ne savait pas trop à quoi elles ressemblaient, les gnomes. C'est-à-dire quelque chose de plus stylisé. Alors vous verrez, on n'apparaît pas toujours dans les crédits des films, malheureusement. C'est souvent le cas du caractère designer, surtout au early stage. C'est... Ça, j'avais beaucoup ri qu'à un moment, ça, le chien. Alors, on a un autre pour Celtic Ferry, encore. Celtic Ferry, alors cette fois, ça devrait aller beaucoup plus vite parce que je sais qu'il est à la fin. C'était. Voilà. Voilà la page, en fait. Donc voilà le petit croquis qui avait servi vraiment de sketch de départ. Alors, le sketch de départ, c'est vraiment ça. Puis après, j'ai agrandi un petit peu, j'en ai refait un autre. Je l'ai fait à l'aquarelle, à l'encre d'ailleurs, aquarelle d'abord, pour voir les couleurs, à l'encre ensuite. Et puis, j'étais pas content de ce que j'avais fait à l'encre, ça. Je trouvais que ça manquait de détails dans les textures. Donc je l'ai refait. Là, je me suis arrêté sur quelque chose. Mon visage, je crois, a été fait à l'acrylique pour avoir un peu plus de matière. Voilà, comme quoi on peut partir d'un sketch et puis aller quand même assez loin. Chamblin, premier projet pour Sony. C'est très très vieux. Pour moi, c'est 2009, je crois. C'est vraiment mon premier projet en caractère design. Personnage principal du Changelin, c'est 2009 de chez Sony, qui n'est jamais sorti malheureusement, qui s'appelait Clancy. Celle-ci aussi dans le livre. On peut voir. Allez. Puis sur le début. Ah, là, voilà. Ouais, très rapide. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne marge entre les deux. Et j'étais parti sur quelque chose d'un peu plus centré sur le personnage. Et au final, j'ai vraiment centré ça sur la scène. Hop là. C'est un chouette. Une mouette. Un griffon. Il faut que je fasse ça en couleur. Un de ces quatre, quand même. Alors, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, donc je pense que vous trouverez sans doute quelque chose qui vous plaira. Votre petit bonheur. Bon, il y a tout, il y a des créatures un peu vilaines, mais moi j'ai beaucoup de tendresse pour les créatures affreuses. Et puis le gnome plus classique, le lutin, un peu la charme de chacune. Créatures.
Ça, c'est pour les amateurs de trompettes. C'est comment faire une petite trompette dans son atelier. Il faudrait que j'en fasse une couleur, c'est très drôle. Boire le thé. C'est une façon de, comme une autre, de prendre son thé. Il y a ton petit Père Noël. Ah, Père Noël, alors celui-là, il n'est pas dans le livre, il sera ouais, c'était le un prochain. Tes premiers croquis pour une carte de vœux. Carte de vœux. Finalement, le petit bonhomme est devenu un toutou. Oui, c'est devenu un petit chien. Ouais. Et je préfère un petit chien. Ça, c'est comment bien prendre sa soupe. Quand il fait froid, l'automne arrive, c'est pas bête. On repart dans le nom Melone, d'ailleurs, il n'est pas noté, mais ah ouais. En fait, c'est le nom Melone. Celui-ci aussi. Non, mais là, on y a. J'ai découpé. Voilà. C'est très drôle. J'adore aussi. Il y en a qui me font rire. Hein. Je suis désolé, mais toutes ces têtes n'existent pas forcément. Mais dans ma tête, elles s'entrechoquent, elles se chevauchent toutes les unes les autres. Heureusement, il ne faut pas trop de bruit. Elles sont discrètes. Tout. Ça, tu avais fait une petite couleur. Oui, j'ai fait une petite couleur. C'était pour un tutoriel, un petit tutoriel sur l'aquarelle. Je ouais. D'ailleurs, peut-être quelque chose à réfléchir. Hop. Très norvégien. Ouais. Oui, celui-là, en fait, j'ai dû garder sur le plan sur celui-là et celui-là qui était vraiment drôle. Lequel ? Celui-ci, là, qui a une tête aussi très, très rigolo. Oh mon Dieu ! C'est, ouais, on va être dans les séries, je pense. Genre, Walking Dead ou quelque chose comme ça. On a beaucoup plus Disney. Gudan Melone. Gudan Melone, encore. J'aurais dû mettre le nom. Ah, les petits chiens du film Troll. Le film Troll. Je pense que c'est celui-là qu'ils ont choisi à la fin. Mais je ne sais pas. Comme je ne l'ai jamais vu au final, je n'en sais rien. Clancy. Donc c'est, ah, un des premiers concepts. Oui, un des premiers concepts pour Clancy, Sony, 2009. Voilà, encore un petit chien de Troll. Encore des petits toutous. Oui, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Bon, ça change du lutin, mais c'était vraiment très drôle. Alors, vous voyez que les noms Squirk, Burke, c'était pas. C'était pour un autre projet, mais pour une amie. J'avais qu'à quelle langue d'ailleurs. Encore Troll. Ah, celui-là est assez rigolo. Il y a une tête à la. Comment Docteur Seuss, en fait. Encore Troll. C'était assez. Très amical. C'était pas mal. Pour ceux qui connaissent John Carter, d'ailleurs, le chien à six pattes, c'est très. C'est très rigolo. Ça, alors, c'est beaucoup plus ancien. C'est à la recherche de Fleury, ça doit dater du premier. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup évolué vers quelque chose de plus cartoon. Il y en a qui préfèrent ce genre de choses. Moi, je. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec un peu plus de cartoon. Voilà comment faire une bonne lecture avec les accessoires qu'il faut. Petite encre. Ah, une petite encre, oui. C'était pour Harry Potter. C'était très malin, mais c'était. Ça t'a fait rire. Un petit truc qui m'avait un petit bien fait clin d'œil. T'avais envie de faire. Voilà. Ça, c'est Sony, pareil. Ouais. Hop. Un petit corrigan. Il est assez joli. Ils sont tous. Oui, il y en a que j'aime particulièrement. J'aime bien les escargots. Vous remarquerez que j'aime bien les escargots. Sony aussi. C'est un des premiers concepts. Il est assez marrant comme personnage. Ouais. Un Motley Crue, je crois.
Ça doit être du genre Harry Potter, je pense. Du même style, oui. Ah, c'est adorable. Tourner autour. D'accord. C'est un pont-rein et un chien vache. Ça aussi, c'est du troll. C'est un peu plus vieux, en fait. Alors là, c'est un spécial. Ah oui, ça, c'est un très spécial. Alors, la personne qui le prendra, décidera. Parce que moi, j'aime beaucoup les écureuils, en plus, ou ce genre de petits weasels. Là, c'est plus un weasel, là, c'est plus un écureuil. Celui qui le prendra, il pourra choisir. Alors, il y a des cadres qui existent, qu'on peut voir des deux côtés, en fait, entre deux plaques de verre. Ça vous permet de changer. Après tout, comme ça, vous ne verrez pas tout le temps le même. Donc, non, c'était une bêtise de ma part. J'ai dû en dessiner un qui me plaisait bien. Et j'ai pas fait attention. J'ai retourné la feuille et j'ai dessiné sur le reste. Mais ils sont très mignons. Ça, on est plus dans le fantastique, vraiment, avec des fées, des elfines. Oh mon Dieu. Oui. Crabe en conserve. Petit troll. Ça aussi, ancien, la recherche de fées. Hop. Ça, c'est notre truc, ça. Oui. Petite mouche volante en pète. Oh, c'est cute. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Je pense qu'on avait un petit projet, puis ça n'a jamais vraiment suivi. Après, c'est vrai que ça créatures. Peut être aussi des idées que tu prends sur pendant le salon. Oui, dans un salon, c'est des petites choses qui vont me passer par la tête, en fait. Puis tu retravailles ensuite. Essayer hop. D'intégrer un peu plus non, mais l'aune. Attends, bouge pas. Voilà, vas-y. Un beau turnip. On avait. Il a une tête, celui-là. Ouais. Mon Dieu, il a l'air tellement satisfait. Oui, bien heureux. Ah. Petit clin d'œil à notre print manager, Marc Vira. Oui. Qui est de Hawaï et à l'époque, on ne le connaissait pas. Mais... Non, mais dans le Melon, il m'avait justement demandé de faire une petite hawaïenne, une petite gnomette hawaïenne, très mignonne. Et le même style de gnomette japonaise. Japonaise. Ouais. Ils avaient un peu étendu, en fait, ils avaient un peu élargi. Essayer de. Un chant. Ouais, adorable. Que ça ressemble moins au gnome classique. En fait. Celui-là, terrible. Celui-là m'a bien fait rire. Celui-là a fait une illustration, mais exactement. La tête n'est plus du tout la même. Par exemple, je refasse un dans ce genre parce qu'il est vraiment très rigolo. Un peu foufou. Ouais. Plus petite créature. Ah, je l'adore. Très bon moyen de locomotion avec une weasel. Ouais, YOLO. Une weasel qui se prend pour un raid. Plus ils s'enlèvent, plus je les aime. Ouais, je crois aussi. C'est petite moins fait. Très pratique de prendre sa soupe dans un dé à coudre. Dans un dé à coudre, on dirait que ça coule un peu. Hein. Ça, c'est super joli, ça. Ça, c'est tout petit. Il faudrait vraiment que j'en fasse une couleur. Alors, vous voyez qu'il n'est vraiment pas très grand. Mais on voit vraiment le fond des montagnes avec le troll qui sort et puis les sapins. Il faut vraiment que je mette ça en couleur. Il faut que je me trouve le temps. Pour le prochain livre, c'est sûr qu'il y en aura. Gnomelone. Allez, celui-là me fait rire aussi, attention. D'ailleurs, j'aurais pu dire une chose. Ah, tu veux dire c'est, oui, juste on une petite chose. On revient sur celui-là. Oui, on a un ami, un très bon ami, David Thierry, qui fait beaucoup de trolls, justement. Je pense que ça, c'est tout à fait dans son monde. Dans son monde, et son univers de trolls. Très Bauer. Ouais, très John Bauer, et puis très David Thierry aussi. Salut David. Salut David. Alors ça, c'est drôle. Ça me fait marrer. Ouais. Jolie petite fée. J'aime bien les bijoux que tu as refait dans les cheveux. Ouais. Attention, la liste des enfants passage. Ouais, ça, c'est ça.
J'en veux ça. Alors ça, c'est les premiers pour Gnomeo, on ne s'est pas marqué, mais c'était vraiment les premiers. Ah ouais. Qui étaient trop, en fait, sur mon univers. Et pas assez stylisés. Non, pas assez stylisés. On les a beaucoup plus stylisés après, pour s'en écarter. Tiens, regardons celle-là. Ah oui, celle-là est drôle. Bah, celle-là, elle va justement avec l'autre grenouille. Exactement. C'était le début, vous voyez que là, c'est vraiment le personnage que j'ai choisi. Celle-là, c'est hyper cartoon. C'est, je n'étais jamais aussi loin que ça. Mais pourtant, ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à me laisser aller, mais c'est quelquefois dur de coller les deux univers, trop cartoon et pas assez. Attention. Ouais, alors ça, les petites loutres. J'ai toujours un projet chez Domestika pour un petit tutoriel avec des loutres. Il est presque fini. J'arrive pas à le finir. Grimmer, premier troll. Dans les trolls, exact. Ouais, 2014, je dirais. Un petit écossais. Oui. Avec son bagpipe. Mm-hmm. C'est un petit champignon, c'est tout à fait l'époque. Ah, encore du troll. Elle était vraiment mignonne, celle-ci. Ouais, elle était vraiment mignonne, avec la petite licorne. Hein. Ouais. Mais bon. Gnome Alone. Pareil. Gnome Alone encore. Ah oui, oui. C'était le petit cuistot. Ils n'ont pas gardé. Ils je ont gardé vraiment si l'état d'esprit, mais ils n'ont pas gardé les personnages si différents en fait. Ils sont revenus à quelque chose de plus gnome classique au final. Oh là là, la tronche. Je ne vais pas le rencontrer. Non. Ah, superbe. J'ai très beau une les couleur. Je pense que c'était au départ pour le projet pour Disney sur leur. J'avais pensé à faire quelque chose comme ça, ouais. Sur leur bateau, en fait. Ouais, leur bateau de croisière. Leur bateau de croisière pour le bar. Vous voulez une scénette. Ça, c'est pour troll. Ça, c'est pour troll. Okay. Toujours troll. Ouais, qui troll. C'est très... Mon Dieu. Ouais, elle est pas... Elle est drôle. Pas très joyeux. Ça, c'est le projet. Ouais, pour les, ceux qui ne sont pas... Dans le cochon, que tout est bon. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Un peu. Ah, génial, celui-là aussi. Au pirate. Ouais. Excellent. Ouais, celle-là, j'aime beaucoup. Toute la petite série de têtes comme ça, elles sont vraiment rigolotes à partir du pirate. Les petites tronches marrantes à faire. Oh là là. De beau de forme. Avec leurs oreilles de souris. Ouais. J'adore. Une grosse moustache, et puis. Ouais. Je connais quelqu'un qui ressemble à John Musky, en fait. Qui a fait cette tête. Ah ouais, Gnome Alone encore. Et Gnome Alone. On finit par deux jolies de Gnome Alone. Bon, on ne finit pas d'ailleurs. C'est non, c'est pas encore fini. Pas encore fini. Ici, on arrive sur les dernières qui sont plus travaillées, en fait. Les images un peu plus travaillées. Ouais. Petite fée. Petite fée. Pour les trolls. Un concept pour les trolls. Excuse-moi. Donc là, c'est un peu plus fini. Ouais. Quand on pousse les images un peu plus loin. De nouveau, la Valkyrie. Ouais. On peut retravailler, agrandir. Ah, elle est géniale. Ah, ça, c'est toi, c'est tes petits bonhommes. Tu es en dame d'Halloween. Ouais. C'est... Ça, c'est pour troll. Ça, c'est pour troll aussi. Ouais. L'armée des trolls, je ne sais plus, tout petit. Ouais. Alors, comme je n'ai jamais vu le film au final, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Oh, on essaiera de la trouver. Dame Tartine. Ah, elle est tellement belle, cette Dame Tartine. Alors, c'est là pareil, c'est à la recherche de Fairy. Ça. Ah, elle est adorable, cette dame. Ça date de quelques dizaines d'années. Mais, mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour elle. J'adore son œil. Alors, normalement, elle est sur un crapaud. J'ai jamais fini le crapaud. Ça devait faire une couleur, et puis j'ai jamais trouvé la... Ah, elle est super. J'aime bien sa boule. Elle est joviale, elle est belle comme tout. Ah, ça, une créature, alors, c'est très différent. Licorne, chauve-souris. Pas trop, licorne, chauve-souris, c'est tout ce qu'on veut. Un petit... mais elle est très rigolote. Un petit hybride. Il y a des petits dessins qui sont simples comme ça, mais t'as envie de, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, parce qu'ils sont venus tout seuls, et puis c'est... Ouais. C'est vraiment la ligne est beaucoup plus amusante à mon goût. Ah. Là, une petite chouette, ça c'est sur un salon, je pense. J'ai commencé ça sur un salon. J'ai
fini après. Mais... Ouais, adorable. C'est très chose. Romantique. Ouais. Des petites strasbules. Des petites encres. Hop, une petite encre. Mais il m'en restait une ou deux. Ouais. Alors, on en avait fait pour 2016, je pense que oui, date oui, de, ouais, de c'est... 2016. Exactement. Les petits ancrages que j'avais fait. Fait des... J'avais fait des petits lutins un peu dans ce genre-là. Exactement. Puis quelques il y en a une ancrages. Deuxième. Voilà. Avec la petite souris avec aussi. Les petits, vous remarquerez les petits mouchoirs à pois. J'adore les petits mouchoirs à pois et les grelots. Et voilà. C'est... Là, on a... Encore un Harry Potter, mais un peu plus grand. Ah oui, une belle encre. Ouais. C'est avec Thierry Labrosse, je pense, qui prêtait ses encres et puis ses plumes. Un dindon. Une grosse affection pour les dindons. Okay. Bonne tête. Ça, je peux dire ça comme ça. Hop là. Hop, celle-là a fait une petite couleur. Elle est vraiment superbe, celle-ci. C'est mignon, mon Dieu. Le petit escargot, le petit renard. Ah, du nomelo encore. Nomelo. Ah, génial. Un peu plus. Secret du chef. Ouais. Recette. Avec le hamster. Ouais. Et celle-ci, un peu dans le même style. Ouais, ouais, un peu différente. Plusieurs propositions. Ouais. J'aimais bien celle-là avec le cochon d'Inde. Un petit, petit bout de fromage. Cochon d'Inde. Ouais. Oui, un cochon d'Inde. Ouais. Qui ne fiera pas dans la gamelle. Pour et voilà. Et voilà, dernière pour Gnomelone aussi. Voilà, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Donc, si vous voulez ben, voir ces images et puis en ajouter en fait à votre panier ou à votre panier, ben, c'est assez facile. Vous allez dans les add-ons et puis vous posez, vous faites votre choix. Il y en a un peu plus de 200, je pense. Donc, je pense que ça devrait faire des erreurs. Il y aurait quelques créatures à adopter, voilà. Si ça vous tente. Si ça vous tente, oui, à adopter, c'est parfait. Puis nous, ça va nous permettre vraiment de pouvoir imprimer, ben, de pouvoir imprimer le livre. On a quand même deux gros exemplaires à faire. En français, en français et en anglais. Donc voilà. Et là, le projet est pratiquement financé maintenant. Oui, on est très contents. Voilà, bon, ça arrive. Et... Ouais. On compte sur vous. Et puis on compte sur vous. Donc, on vous aime. Merci.